Le Nocturne était au départ une chanson populaire française. Très peu de gens le savent, ça. Mais je sais que vous le savez parce qu'on en avait parlé avant. Et sur le plan instrumental, il a été utilisé par le pianiste et compositeur irlandais John Field. Mais c'est Chopin qui l'a sublimé. Vous savez que Chopin était très, très sensible à la nuit et surtout au crépuscule. Les Polonais appellent le moment entre le jour et la nuit l'heure grise. Et c'est à l'occasion d'une heure grise, d'un crépuscule, qu'il a déclaré son amour et qu'il a demandé à Marie Wodzinska de l'épouser. Soyez gentil de me rejouer le début, si vous voulez bien. Je vous remercie. Alors, vous savez que dans ce nocturne, nous avons un exemple parfait sur le plan instrumental du bel canto. N'est-ce pas? C'est très très important. Et Chopin disait toujours qu'il faut chanter avec ses doigts. Alors, même quand vous jouez piano, il faut appuyer un petit peu plus peut-être. Essayez d'appuyer un petit peu plus la main droite pour timbrer un peu plus. Allez-y. Très bien. Et il y a une certaine façon de travailler ce nocturne que Chopin préconisait particulièrement. Il demandait qu'on travaille d'abord la main gauche avec les deux mains, c'est-à-dire de faire sonner la deuxième et troisième note de chaque groupe de triolet comme un cœur de guitare. Et c'est là où on se rend compte que ce nocturne est une sérénade, une véritable sérénade mélancolique, n'est-ce pas? Alors essayez de travailler un petit peu, si vous voulez bien, à deux mains. La main gauche. Pensez à un cœur de guitare. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Très bien, je vous remercie. Maintenant, faites-le avec la main gauche uniquement et rajoutez le chant en faisant timbrer un peu plus la main droite que tout à l'heure. Très bien. Attention, je vous arrête, excusez-moi, mais cette petite phrase, vous la coupez et ça détruit le phrasé ici. Ta-di-da-di-da-da. Il faut aller jusqu'au bout sans ralentir vers le bout, n'est-ce pas, vers la fin. Non, pas tout à fait. Pensez à un chanteur. Ta-di-da-di-da-da. Non, excusez-moi, commencez-le un petit peu plus fort. Pensez à un coup d'archet. Ta-di-da-di-da-da. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Quand vous commencez le do, ta-di-da-di-da-da, les premières notes un petit peu plus prononcées. Voilà, c'est presque parfait, je vous arrête. C'est presque parfait. Entre le do du bas et le do du haut, il ne faut pas d'arrêt. Il faut continuer. Et comme ça. Ta-di-da-di-da-da. Encore un peu plus. Un petit peu plus. Non, non, attendez, il faut que vous vous habituiez à faire ça. C'est comme une dentelle, n'est-ce pas? Ta-da. Accélérez un peu vers la fin. C'est la fin de la phrase. Voilà, ça y est presque. Continuez. Bien, je vous arrête. Je vous arrête parce que là, Chopin a indiqué dans cette phrase qui va jusqu'au mi, vous avez deux virgules. Il faut toujours se plier aux règles de la déclamation. Donc vous avez première section de la phrase, deuxième section, troisième section, ta-da-da. Donc il faut le faire comme ça. Voyez ce que je veux dire? Pensez à deux virgules. Sans ralentir à la fin. Refaites-le si vous voulez bien. Voilà, attendez Magali, ne ralentissez pas à la fin, ne faites pas ça. Non,
Ta-da-dam, ça s'en va. Voilà, très bien. Maintenant, on va le travailler en exagérant un petit peu. Exagérez-le en faisant comme ça. Arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous un petit peu pour vous habituer. Stop, voilà. Stop. Conclusion. Voilà. Maintenant, faites-le du début à la fin, ce trait. Voilà, c'est presque parfait. Vous pouvez même lever un petit peu la main entre les virgules, n'est-ce pas? Voilà. J'exagère un peu exprès, voilà. Continuez. Arrêtez-vous si vous voulez bien. C'est très bien. Alors là, nous sommes dans la première variation. Et il faut savoir, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est un élève de Chopin qui nous l'a rapporté. Chopin, paraît-il, aurait préconisé pour cette première variation de rester dans un tempo plutôt allegretto, comme au début, et non pas andante. Et ensuite, dans la deuxième variation, qui vient à la mesure 13, de jouer en dante. Et dans la troisième variation, mesure 21, etc., adagio, plus pathétique. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une option que je vous donne. Je voudrais que votre personnalité se laisse aller, n'est-ce pas? Et c'est à vous de choisir. Donc on peut le faire de cette façon. Le premier, le thème, un peu plus vite. La première variation, même chose. Deuxième variation. Et la troisième variation plus tard. Bon, ça c'est à vous de décider, hein. Alors dans cette première variation, vous avez un trait absolument sublime dans lequel il faut un petit peu plus accentuer le ré bémol, le fa et le la bémol, n'est-ce pas? Ta-da-ta-da-ta-da. Vous avez toujours un chanteur qui essaye d'atteindre quelque chose. N'est-ce pas? Il faut toujours exagérer dans le travail pour ensuite retirer. Alors, exagérez un petit peu les accents. Travaillez-le si vous voulez bien. Merci. Merci. Un petit détail. Là-haut, quand vous arrivez au ré bémol, Chopin aimait bien, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous le dis à titre indicatif, Chopin aimait bien répéter le quatrième doigt sur le ré bémol et le do en glissant, comme ça. Et la fin de cette phrase, vous pouvez le faire une fois comme vous l'avez fait avec un petit crescendo. Et la deuxième fois, dans la variation suivante, vous pouvez faire ça comme ça. Ta-di-da-da. Essayez les deux façons. Excusez-moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas beaucoup cet arrêt en fin de phrase, hein. Vous détruisez un petit peu, excusez-moi de vous le dire. La phrase, quand vous faites ça, ne le faites pas trop systématiquement, hein. C'est un petit peu mièvre. Il vaut mieux continuer dans la lancée. Ta-di-da-da, ta-di-da. Même si vous faites un crescendo, hein, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire si vous voulez. Bon. Ou alors, si vous faites un petit arrêt, à peine, il faut que ce soit à peine perceptible. Allons-y. Bien, c'était parfait, sauf que il nous faut plus d'interruptions entre les petits Les groupes. Hein, il y a petits. des petites liaisons. Il faut que ce soit plus frémissant, n'est-ce pas? Elle essaye de, elle se déclare, elle essaie d'obtenir quelque chose, elle essaie de le communiquer, n'est-ce pas? Ah! Voilà, comme ça. Continuez. Chose importante, arrêtez-vous si vous voulez bien. Je vais vous donner un exemple, parce que là, il faut quand même qu'on parle du rubato. Oui, Alors, je le crois que c'est rubato, c'est un terme italien, comme vous le savez, qui signifie temps dérobé. Pourquoi dérobé? C'est une espèce de un petit larcin sur le plan du temps.
C'est un système compensatoire qui permet d'allonger une note ou un groupe de notes, ou bien de les abréger par rapport au prochain, à ceux qui viennent après, en volant sur le temps de la note prochaine. C'est-à-dire que si on le fait ici comme ça, si on accélère un petit peu, donc on abrège, hein, et là on rallonge, même si on finit la phrase comme ça. Alors ça c'est le rubato typique de Chopin, que Chopin n'a pas inventé, parce que le rubato, vous avez un théoricien italien de Bologne qui s'appelait Tozzi, qui en 1723 en a parlé dans son traité du bel canto. Et le bel canto, le rubato du bel canto existait déjà bien avant Chopin. N'est-ce pas? Même Mozart l'utilise. Vous avez deux types de rubato, le type A et le type B. Alors le type A, c'est donc une liberté totale dans le chant avec une basse, un accompagnement imperturbable. Je crois que Liszt disait que c'est comme un tronc d'arbre qui ne bouge pas et les feuilles qui frémissent, n'est-ce pas? Alors on va essayer les deux types de rubato. Le type A d'abord, donc la basse qui ne bouge pas, qui est le chef d'orchestre, de façon donc excessive comme ça. La basse a à peine bougé, pratiquement pas du tout. Et maintenant on va le faire avec une basse plus fluctuante, c'est-à-dire que tout l'édifice bouge, et ça c'est le type de rubato B. N'est-ce pas? Alors le rubato c'est une chose qui ne peut pas s'enseigner facilement, ou s'apprendre, vous devez le sentir. N'est-ce pas? Ça dépend un petit peu des règles de la déclamation, de votre intuition personnelle. Mais Chopin préférait le rubato de type A. Donc il ne faut pas trop s'attarder sur les fluctuations de tempo n'importe comment. Soyez gentil de le faire. Alors type A, sans bouger la main gauche. Bien. Refaites-le. Mais je veux une liberté plus grande dans la main droite. Donc je vais frapper la mesure avec vous. Attendez. 3. 1, 2, 3. Il faut que la main droite, je sais, c'est très difficile à faire, très très difficile à faire. Il faut que la main droite soit plus libre, c'est-à-dire il faut que vous vous permettiez d'accélérer dans la main droite et de ralentir, même si les notes ne tombent pas ensemble. Parce que vous aurez un certain moment où les notes ne seront pas ensemble. Vous avez vu? Mais la main gauche n'a pas bougé. Allez-y. Accélérez la main droite. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Vous avez compris. Vous avez compris, c'est à peu près ça. Maintenant, vous allez faire un rubato de type B, en bougeant un peu plus, comme vous le sentez, plus libre. Voilà. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire, n'est-ce pas? Continuez. Non, attention, attention, attention. Il faut que la première note du petit groupe lié soit plus forte que la deuxième. Le sol, ti, da, da, plus que le ré, hein? Attention. Très bien. Attendez une seconde. Ce qui ne vous empêche pas, quand ça revient plus tard, de changer un petit peu le phrasé pour varier. Parce qu'il ne faut pas oublier que Chopin, quand il jouait le même morceau deux fois ou plusieurs fois, il changeait très souvent. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, n'est-ce pas? Donc quand vous êtes là, vous pouvez le faire donc comme on l'a fait maintenant. Ou alors plus tard, vous pouvez essayer. Hein? Vous pouvez vous amuser à un petit peu modifier, mais attention, c'est très dangereux. Essayez. Voilà, bon, on peut faire ça. Attention, là nous avons des notes détachées. Hein? Et pour changer par rapport à la mesure similaire précédente, mesure 4, vous pouvez le faire détaché donc et piano. Nous avons deux choses ici. Vous avez des notes détachées. Même si vous mettez la pédale, ça donnera un son différent, un peu plus appuyé, même si vous le faites plus piano que dans la mesure 4. Et deuxième chose, vous avez ici ce qu'on appelle un cercar della nota, cette petite note qui adoucit la transition entre le la bémol et le do. Cette petite note qui est une répétition de ce la bémol
et qui adoucit et qui en principe doit être joué sur le temps, d'après ce que souhaitait Chopin. Donc, ce qui ne vous empêche pas, quand ça revient plus tard, de le changer. Voilà. Merci. Alors là, nous sommes dans la ritournelle. Il faut que ce soit un petit peu plus caressant et un peu plus doux. N'est-ce pas? Quand vous arrivez ici, il faut une autre couleur, carrément. Vous avez donc fini ça. Plus intime. Jouez-moi ça un peu plus intime. Mais faites la phrase d'avant, hein, pour la position. Un peu plus en début de phrase pour vous permettre le pianissimo d'après. Plus chanter, s'il vous plaît. Voilà, c'est presque parfait. Alors là, nous avons quelque chose qui s'appelle le portando. Enlevez la pédale, si vous voulez bien, merci. Nous avons ce qu'on appelle le portando, qu'il ne faut pas confondre avec le portamento. On parlera du portamento tout à l'heure. Le portando, c'est donc ce que, dans le bel canto, on appelle le parlando, n'est-ce pas? Vous avez donc une succession de notes plutôt lentes qui sont un peu détachées, et les premières doivent être toujours un peu plus lourdes que les suivantes. C'est-à-dire, nous avions ça, alors c'est ici, oui. Ta, 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 ta. Il ne faut pas qu'elles soient égales, hein? Attention. Presque parfait. Un peu plus la première. Un peu plus la première. Attention, caressez le piano, comme ça. Regardez, comme ça. Laissez tomber au début et allégez vers la fin. Je vous remercie. En fin de phrase, accélérez un petit peu. Comme ta, 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 ta. Pas ta, 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 ta. Non, ça, c'est pas bien. C'est ça. Étirez un petit peu vers la fin de la phrase. Voilà, là vous pouvez étirer un petit peu. Après la petite accélération qu'il y avait entre les deux derniers mi, n'est-ce pas, vous devez un petit peu ouvrir, c'est un soupir. Chantez toujours. Exemple. Pas trop dur, attention, ne tapez pas sur le piano. Hein? Avec du poids, hein? Venez un petit peu plus de haut, même si vous risquez de glisser. Vous pouvez même mettre 2-3 doigts si vous voulez, en même temps, pour avoir plus de poids, plus de son. Comme ça. 4-5 en même temps. Essayez le 4-5 en même temps. Voilà. Nous avons retrouvé sur des partitions d'élèves de Chopin des espèces de traits, comme ça, vous savez, des traits, des barres qui séparent la sixième note de cette mesure et la suivante, c'est-à-dire à la fin de la septième note. Quand vous arrivez sur le si bémol, il faut respirer un petit peu. Enlevez la pédale, et c'est une nouvelle phrase. D'ailleurs, c'est indiqué par Chopin, vous avez une phrase là, n'est-ce pas? Nouvelle phrase. Alors arrêtez-vous un petit peu entre les deux, respirez un peu. Un peu plus s'il vous plaît, un petit peu plus. Crescendo, crescendo. Allez-y.
Merci. Alors sur le tri, vous pouvez vous permettre un petit changement. Vous pouvez faire un mi bécard. Chopin le souhaitait d'ailleurs. Il avait demandé à certains de ses élèves. Comme ça. Où est-ce que nous sommes ? Qui adoucit un petit peu, n'est-ce pas, cette transition ? Sur le temps, hein, toujours. Je vous arrête tout de suite. Alors là, nous avons une arabesque qui est typique dans le bel canto. Mais il y a une différence entre ce type d'arabesque chez Chopin et celle du bel canto. Parce que dans le bel canto, les chanteurs aiment bien s'attarder sur ces arabesques. Mais chez Chopin, il faut terminer l'arabesque comme, vous savez, pensez à un petit ruisseau qui se perd, qui se fond dans une rivière. Il faut accélérer vers la fin et ne pas donner d'importance aux dernières notes. C'est-à-dire comme ça. Il faut que ça s'en aille, que ça se fonde dans la pensée de cette phrase. Merci, c'est presque parfait. Alors les premières notes plus lourées, si vous voulez bien, plus séparées, comme ça. Et je vous signale que Chopin souhaitait un doigté très difficile à faire, mais qui en vaut la peine parce que vous avez plus de sensibilité avec le cinquième et le quatrième doigt, comme ça. 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4. Voilà. Très bien, sans ralentir à la fin. Hein. Continuez. Non, attention, il faut que ce soit plus chanté. N'oubliez pas, nous avons un portando ici, n'est-ce pas ? Un peu plus appuyé au début et plus léger vers la fin. Sans ralentir vers la fin, sans ralentir. Ne ralentissez pas parce que vous détruisez la fin de phrase. Vous faites ça. Non. Éteignez-la et ensuite la prochaine. Ou alors à peine. Voilà. Séparé. Voilà. Alors là, pour changer par rapport à la même chose qu'il y avait avant. Vous pouvez faire un diminuendo si vous le souhaitez, n'est-ce pas ? C'est comme vous le sentez. Et vous pouvez même vous amuser, si vous le souhaitez, à faire un contre-champ. Bon, mais ça, c'est une chose qui sort un petit peu du cadre de la leçon. Mais Chopin, comme je vous l'avais dit auparavant, ne jouait jamais deux fois de la même façon. N'est-ce pas ? Alors continuez. Voilà, comme ça. Coup d'archer, toujours. Ornement improvisé typique du bel canto comme tout à l'heure dans la mesure 16. Il ne faut pas ralentir en fin de phrase, attention là-haut. Et ensuite, nouvelle phrase qui commence plus lentement et qui se termine plus vite. Il ne faut pas donner trop d'importance aux dernières notes de ces ornements. Voilà. Thank you.
attention aux pédales, hein, attention à la pédale quand vous arrivez là-haut. Vous pouvez ou bien inclure le mi bémol dans la pédale, vous avez trois façons de le faire, ou bien comme ça, ou bien l'inclure, ou bien ne pas l'inclure, ou bien le faire sur le temps. C'est à vous de choisir. N'est-ce pas? Je voudrais que vous choisissiez vous-même. Par exemple. Alors là, Chopin souhaitait 5-4-5-4. 5-4-5. 5-4-4-5. 5-4-3. Parce que les doigts faibles sont plus sensibles. Merci. Refaites-moi toute cette section si vous voulez bien. Un peu plus diaphane, plus transparent. Et tout en sentant, en jouant comme vous le sentez, ne traînez pas trop non plus. Il faut qu'il y ait des petits élans de redémarrage. Allez-y, avancez. Avancez, avancez. Très bien, continuez. Début d'exaltation, plus exalté, allez-y. Attention, non, 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 attention, la phrase est indiquée par Chopin. Ta-di-da-dam, ta-di-da-dam. Ta-di-da-dam, ta-da-da-dam. Non, 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 il faut repartir ici, il faut repartir ici. Hein. Ta-di-da-dam, ta-di-da-dam. Voilà. Un peu plus vite même, un peu plus vite même. Ta-di-da-dam. Il faut qu'il y ait toujours un élan dans ces phrases. Voilà, continuez. Plus lyrique, allez-y, plus fort. De plus en plus passionné. Accélérez. Serrez. Plus fort, plein. Alors, je vous arrête tout de suite. C'était très, très bien, mais laissez-vous aller. Hein. Là, c'est l'extase, la passion exaltée. Et quand vous arrivez là-haut, sur le tri, sur la cadence, il faut que les premières notes soient à peine perceptibles. N'est-ce pas? Il faut qu'elles soient perdues dans le fortissimo. Il faut qu'elles commencent comme si elles venaient de nulle part. Et vous faites un beau crescendo et ensuite un diminuendo. La cadence, s'il vous plaît, à partir de là. À peine. Ralentissez. Merci. Magali, pour les travailler, vous pouvez les travailler comme ça. N'est-ce pas? Et ensuite. Et ensuite. Et ensuite, vous pouvez faire quatre notes. Et puis. OK? Pour que ce soit un peu plus égal et plus prononcé. Continuez si vous voulez bien. Refaites-le, refaites-le plutôt, refaites-le. Commencez plus lentement. Magali, Magali, jouez plus fort le début et commencez plus lentement. Laissez-vous aller à peine. À peine. Et accélérez. Accélérez et augmentez le son. Voilà, ralentissez, diminuez le son. Détendez progressivement, de plus en plus caressant, caressant. Et maintenant, c'est le mystère rêveur de la conclusion. Vaporeux. Gardez la pédale. Vous êtes dans un autre monde, évanescent, évanescent. Il faut que ça disparaisse. Je vous remercie, mademoiselle. Merci beaucoup.